Salut la communauté YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans la salle de sport où je m'entraîne chaque semaine. Et aujourd'hui dans cette vidéo donc je vais te présenter un entraînement pour débutants. Donc moi quand j'étais débutant j'ai commencé par un full body. Il y a quand même pas mal de débutants qui commencent par ça et je trouve que c'est vraiment bien pour commencer la musculation. Donc pour te faire un résumé, l'entraînement full body c'est un entraînement où tu vas entraîner tout le corps. Et donc dans cet entraînement je vais te montrer les exercices que je fais pour un full body. Donc je ne fais pas de full body en ce moment parce que ben moi c'est un objectif différent que j'ai et je me considère plus comme un débutant. Bon après ça ne veut pas dire que les confirmés, les intermédiaires ne peuvent pas faire de full body, mais encore une fois ça va dépendre des objectifs de chacun. Moi j'utilise le full body par exemple dans une période de reprise ou après un long moment d'arrêt, ben, comme on a pu avoir avec les confinements et tout ça. Reprendre avec un full body c'est bien. Ou alors je l'utilise aussi également en séance bonus. Par exemple, si j'ai une séance, voilà, si j'ai fait tous mes groupes musculaires dans la semaine, ben je vais ajouter une petite séance de plus avec en faisant un full body pour avoir un peu de travail supplémentaire sur tout mon corps. Donc je te fais juste un rapide coup d'œil de la salle de sport qui se trouve juste derrière moi. Voilà, on a des cages, on a des barres juste derrière moi. Je vais te montrer ici au mur. On a vraiment des barres avec toutes les prises possibles. Avec des grosses prises, des prises neutres, des prises supination, etc. Après, ici, ce que j'adore, on a tout un tas de barres avec juste ici, tu as les barres à crossfit, barres à deadlift. Là, tu as des barres, tu as une safety bar qui est juste là. Tu as une log pour les strongman. Tu as les farmer walk qui sont juste ici. Et comme tu peux le voir juste ici, à mes pieds, on a des plateformes à deadlift. Donc là, je vais m'échauffer et on va commencer l'entraînement par le squat, donc ce qui va travailler le bas du corps, les jambes. Pourquoi le squat? Parce que le squat, c'est un exercice polyarticulaire. C'est un exo qui est pas mal fatigant et donc on va le placer en début de séance, au moment où j'ai beaucoup d'énergie, afin d'avoir un maximum, de tirer un maximum de bénéfices de cet exercice. Ok, donc là je viens de finir avec le squat, c'était plutôt intense. Et parce qu'en plus j'ai fait mes jambes, j'ai travaillé un petit peu mes jambes pendant la semaine, pendant mes entraînements de catch. Donc j'étais un peu encore courbaturé à mes jambes. Mais bon, ici on en a fini avec le squat, donc pour les jambes. J'ai oublié aussi de préciser au début de la vidéo, donc c'est entre mes séries, je prends 1 minute 30 de repos et je fais 12 répétitions. Donc c'est un schéma plutôt classique pour un full body. Et là, on va enchaîner avec le développé couché. Les jambes c'est fait, les pecs c'est fait, maintenant on va attaquer les épaules et on va faire du développé militaire vraiment pour travailler la globalité de l'épaule et on va faire 4 séries de 10 à 12 répétitions.
là là, donc les épaules sont enfin terminées. Donc ici, je vais faire le dos. Donc, mais pour le dos, je vais faire des tractions. Je vais faire 4 séries de 10 répétitions. Et après, donc, je ne vais pas faire de coupure. Une fois que j'aurai terminé le dos, je vais faire les bras en superset. Donc les bras, en général, j'ai fait souvent en superset. Je trouve que tu gagnes plus de temps et je trouve que c'est plus efficace. Vu que c'est des petits muscles, tu peux les combiner ensemble. Mais bon, après toi, si tu es débutant et que tu préfères ne pas les combiner au début et peut-être après, avec le temps, en faire en superset, tu peux. Mais moi ici, dans l'exemple, enfin dans la vidéo, je vais le faire en superset. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le superset, c'est enchaîner 2 exercices sans prendre de temps de repos. Donc pour les triceps, je vais faire un développé prise serré. Et puis tout de suite derrière, je vais enchaîner avec du curl bar, la barre EZ. Et une fois que j'aurai fini mon superset, ben là, je vais prendre 1 minute 30 de repos. Et après, je recommence jusqu'au moment où j'ai fait 4 séries. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo et aussi on arrive à la fin de cet entraînement. C'est un full body que j'aime vraiment bien faire de temps en temps. C'est pas vraiment quelque chose que je fais souvent, mais de temps en temps, en tant que reprise ou bonus, c'est super. J'espère en tout cas que cet entraînement va t'aider. Voilà, si jamais tu as l'intention de commencer dans la musculation, un full body comme celui-ci, c'est très bien adapté. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !